Salut tout le monde, c'est Fuminon et aujourd'hui on va faire un petit Fulmifight en compagnie de VV. Salut! Bonjour à tous! Voilà, on est sur World of Warship, c'est la première fois que je tourne avec World of Warship, donc ça se trouve, ça va laguer à mort, ça se trouve, ça passera. On va voir. On verra bien. Ouais. Et du coup, on est sur le côté, on est tout à droite de la formation, c'est pas mal. Et du coup, on se retrouve tout de suite en partie. Alors, où es-tu? Voilà, juste Rode, à ta gauche. Là. Ah oui, d'accord, tu es là, juste derrière moi, si je te tire dessus. Attends, hop. Alors, où est-ce qu'on va? Pour en sur ta map et moi je fonce vers la gauche. Tu vas vers la gauche toi? Vers la droite, pardon. Ouais, je vais essayer de passer entre les cailloux là, juste devant en fait. Fais gaffe. Ah oui, sinon il y a déjà un cuirassé qui arrive là. J'en ai le mec qui rush le tout. C'est un caisseur. Ah, je vois pas. Trop loin. Genre t'arrives à voir ça depuis de si loin toi. Ouais. Fais halt. Halt. Ah ouais. Ah non, c'est un phoenix que je vois devant moi. Ah oui, on regarde pas le même en même temps, c'est pour ça. Ok, on a un Kaiser, Miyogi, Phoenix. Oh putain, il me cible. Ah, je vais me faire défoncer. Ah là là. Ah carrément. Wow. Fais demi-tour. Ouais, je vais faire demi-tour. Non, j'essaie de me cacher derrière le plateau en fait. Culée. Je me cache derrière le. Je prends cher, mais ça va encore. Je vais me cacher derrière le. Le rocher là-bas. Enfin, le rocher là-bas, y'a pas de rocher là-bas. Hop là. C'est pas beau ça. Et ça touche pas. Je fais de la merde pour l'instant. C'est pas à nous ça, si c'est nous qui avons fait de la fumée. Ouais, je vois, t'es juste derrière moi. Hop là. Je fais demi-tour. Y'a un croiseur qui vient de se faire sécher là. Ouais. Il est mort. Oh non, je suis pile à la limite pour toucher l'autre quoi. Mais c'est quand même de toucher une garde de toi. Forcément. Bah essaye attends. Allez, go. Voilà. Je fais une petite demande d'appui. Oh, fais pas chier. Oh wow, j'ai cru le crasher mon gars. Du coup j'ai même pas regardé le. Des tiers. Le reste de l'autre équipe. Tier 4, tier 3, tier 4. En fait c'est une partie tier 3, tier 4. Ça va encore. Ok, je fais demi-tour. On est juste à côté. J'ai provoqué un incendie sur le cuirassé. Ah, GG. Les gars, il y a des torpilles. Hop, demi-tour. Je sens que je vais rester dans la zone à défendre. Genre le mec, mais je crois on mec. On a deux cuirassés qui arrivent. Ok. Ouais, et surtout des torpilles au loin, pour le mec qui va me cibler comme ça. J'avance grâce à la map. Et. Oh, j'ai touché. C'était beau ça. Bouge pas vite, hein. Oh la vache. Allez, avance. Penche un peu plus. Allez. Oh, on. Plein dans le mille. Est-ce qu'il bouge? Ouais, il bouge toujours. Cette musique. Bon bah ça va, pour l'instant ça règle pas trop. Ok, par contre il y a du monde devant. Oh, j'aurais pas dû claquer ma réparation tout de suite. Oh, mon bateau il a pris tellement cher là. Ok, je sens que je vais me stationner par là-bas. Vers le milieu de zone. Oulala, il y a des gens, mais ils sont défoncés. Et je crois bien que c'est ma première partie en multi en fait. Genre, je me rends compte. Ah. Avant, je faisais des parties contre les IA. C'est pas pareil quoi. Allez, genre le mec il me cible. Allez, toucher. Y'a rien qui touche quoi. Ok, VV qui fait un SOS. Bah ouais, parce que je suis en train de. J'ai fait focus par l'équipe ennemie en fait. Alors j'essaye de canarder pour voir. Ah oui, parce qu'en même temps t'es le dernier de la file.
Mais là j'ai envie de dire t'as deux autres cuirassés qui arrivent. Oh j'en ai tué un. Oh je suis beau. Je suis fort. Le mec qui s'enjaille juste pour un bateau. Y a un petit destroyer là-bas, je sais pas trop ce qu'il fout mais il me plaît pas trop. Ce qu'il est. Ah, il vise le porte-avions. Il est où le porte-avions? Ah il est là, ok. Bah je pense que je vais ralentir un peu. Et que je vais faire demi-tour. Bon bah pour l'instant je ne fais que du soutien. Ok, on a un bateau qui est mort là-bas, qui c'est qui me tire dessus? Qui ose me tirer dessus? Là-bas, tiens, ça peut être pas mal ça bas. Là-bas. Allez, cible. Voilà. Ah, le vieux qui fait encore SOS. T'es sérieux? Ah, il est caché. Et lui, il l'est aussi. Allez, full machine, je vais essayer de te rejoindre pour essayer de défendre tes arrières. Ouais. Merde, c'est trop loin. Je sais pas tout ça, mais moi. Je suis pas en bonne position là. J'arrive. Je diminue un peu la vitesse parce que ça a rien d'y aller full vapeur. Je vais voir si je peux essayer de toucher. Hop, les gens. Le Saint-Louis, j'ai d'amorcer un de ses canons. Il y a Saint-Louis sur la bataille. Oui, il y a ah un ouais, Saint-Louis, Saint-Louis 5 et... Carolina. C'est les deux meilleurs bateaux que j'ai. Lol, j'ai aucun bateau valable sur ce jeu. Voilà, je joue, j'ai trois bateaux. J'ai un destroyer, un croiseur et un cuirassé. Voilà. Est-ce que t'as débloqué les porte-avions en fait? Oui, j'ai le l'anglais. Ah bah voilà. Ça passera pas, ça passera pas. Si ça passe, ça passe tout juste. C'est pas très vite tout ça, c'est un nœud, dis donc. Je sens que je vais sortir de ma cachette pleine vitesse. Et après, je vais essayer de partir un peu en marche arrière. Pour l'instant, je fais que des mises hors service, je fais bien chier tout le monde. Tu utilises quoi pour mettre faire des mises hors service? L'explosif. Okay. Les explosifs, ah, c'est rouge ou jaune? C'est le jaune. Ok, donc le rouge est pénétrant, c'est ça? Bah, il ouais. Y a un petit descendre. Le AP, c'est pour traverser, le HE, c'est pour exploser. Exactement en plus, c'est exactement ça. Hop, incendie provoqué. Allez hop. J'ai une petite marche arrière. Oh lol, genre le mec il a eu exactement la même idée que moi quoi, il fait aussi une marche arrière. Oula, oula. Oh, il a esquivé de peu. Je suis en train de canarder le 5 Carolina là. Non, tu veux dire le South Carolina? Non, non, le. Oui, le South. La Caroline du Sud. Excuse-moi. Moi, quand je vois un S, je mets ça, moi. Mais c'est vrai que c'est ST l'acronyme. Caroline. Ah, il y en a un autre qui est mort. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de me prendre trop de dégâts là pour l'instant, ça va encore. Mais là, on est en train de relever la partie à notre avantage. Ouh, ces tirs sont pour moi. Voilà, ils sont pour moi. On se casse que je fais de la marche arrière, là, on m'explique. Je fais de la marche arrière, c'est bon. Les gars, tu risques de heurter l'autre bateau. Oh merde. Prends les dégâts. Est-ce qu'on prend les dégâts? Ah, excuse-moi. Hein. Oh le mec il rage. ça fait du pouet-pouette. Genre le mec il continue à me canarder. Hein. Est-ce que le South Carolina peut tirer, enfin le South Carolina peut tirer plus loin que d'autres bateaux? Enfin, grosso modo, est-ce que certains bateaux peuvent tirer plus loin que d'autres? Les cuirassés peuvent tirer bien plus loin que les destroyers, pareil. Ça explique pourquoi je me fais défoncer par le bateau là-bas. Ouais, je suis à 12 km. Ouf, ces tirs là, je les ai vus. Attends, je vais essayer de zoomer suffisamment pour voir. Ah, j'en ai touché qu'un. Ah, pas grave, tu as touché quand même. Et ça compte parce que je l'ai vu. Allez, on fait demi-tour, un petit dérapage. Ouais. Oh, bonjour. Bonjour, on tourne, mais c'est pas grave. C'est arrivé de moi qui arrive. Désolé. Pas grave. Donc, juste pour la petite histoire, on vient de tourner épisode après épisode, donc on commence à. Ouais. On va aller dans le coin. Allez. Donc, je suppose que je dois me tirer, c'est ça? Bon,
pas obligé, si tu fais pas de bruit, tu les écoutes, ça va. Bon, ça c'est. Ok, bah attends, je coupe le micro. La citadelle. Okay. Un petit coup de citadelle là. Ça lui a enlevé. C'est nous, le mec juste devant nous, il prend ultra cher. Ouais. Faut le défendre. Je vais offrir un petit peu de support. Pareil, je t'énerve le mec, en plus le gars il est de face et il bouge pas quoi. Il se prend un déluge de feu. Ah, il bouge. Il s'en fait un dit, tiens, et si je bougeais un peu là. Oh, coup à la cible. Mais j'en ai fait qu'un. Oui, le gars il a vraiment décidé de canarder le mec devant. Il va sortir de ma zone de tir. Il est sorti de ma zone de tir. Oh, je préfère un coup à la cible. Allez. Parce que je vais voir si je peux le choper au passage. Et on fait un demi-tour. À full vapeur, bien entendu. J'essaie de lui tirer dessus comme je peux. Et c'est beau. Oh, c'est toi qui as tué? Non, c'est le croiseur. Enfin, le cul, non, pardon, le porteur. Faut absolument qu'on protège le gars qui est devant nous. Hein. Là, il est en train de décéder. Ah, je crois qu'il va mourir tout seul d'ailleurs. Comme un grand. Il est mort. Ah, ce tir. Eh. 5 contre 4, ça passe encore, hein. 5 contre 3. Ah oui, il y en a qui vont mourir, là. 5 contre 3. Je repasse en explosif. Vas-y, je vais passer derrière toi. Il y en a un qui est sur ta droite. On essaie de le défoncer. Parce qu'à priori, il est tout seul. Hein. Caroline du Sud, ouais. Allez. Petit message à l'équipe. Concentré, tir ennemi sur Ramond. Il est où, Ramond? Eh, Ramond, t'es où? Affirmative. Bon, les mecs, ils vivent leur histoire au loin, là-bas. En fait, on est tous en train de défendre notre base, là. Ouais. Et on gagne. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, si on continue à défendre notre base comme ça, ça va passer. Je fais gaffe, quand même, que je te touche pas. Ça va. Aïe. Kaiser m'a shooté une des tourelles. Oh, par contre, là j'ai une captée qu'on a perdu un des bateaux en fait. Charrière. On a perdu un destroyer. Ouais. C'est bon, j'ai récupéré ma tourelle. Vache. En fait, on a que 3 cuirassiers face à nous, donc si on reste, on fait du, comment dire, du camping, si on peut dire ça, on va mourir. Donc, il faut qu'on bouge. Ah mais non, on a le porte-avions, j'ai une capté. C'est-à-dire que le gars, il utilise plein de trucs pour bombarder, puis c'est bon en fait. On a rien à craindre, tout va bien. Non, on n'a pas rien à craindre. Bah, enfin si, entre guillemets. Parce qu'on a, comment dire, la supériorité du ciel. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le porte-avions, il a le choix entre tirer... Il met son gouvernail hors service au... Oh, GG. Oh, il va se prendre 3 torpilles. 1, 2, 3, il est mort. Oh, il est mort. C'était beau. GG. Notre porte-avions a fait des merveilles. Bah, en même temps, quand t'as plus besoin de protéger le ciel en visant des escadrilles, t'as la supériorité aérienne, quoi. L'autre, il peut plus rien dire, quoi. Je suis pris en cible par le Kaiser. On occupe. Ok, je vais prendre respect. Ah, il fait demi-tour. Allez. C'est un combat jusqu'à la mort. C'est ça que j'aime avec le South, enfin le Saint-Louis. Vous voyez les gens? C'est quand on peut enchaîner autant de tirs. Je la fie quand même. Ouais, c'est bien le Saint-Louis, voilà. C'est pour ça que j'ai aussi Saint-Louis. Parce que je suis perturbé avec le. Enfin, c'est pour ça que je disais ça. Saint-Carolina. Parce que je suis dans le rouge. Ah. Bah, reste un peu en arrière, hein. J'essaie de, comment dire, d'encaisser les dégâts. Oh là 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 là. Je contourne notre porte-avions. Et je rejoins l'autre Wyoming. Si tu pouvais me rejoindre, ce serait bien. Attends, là j'essaye de... Je fais demi-tour. Parce que toi contre un Kaiser, ça va... ça va être de la merde. Oh la vache. Ouf. Je viens de voir ta vie descendre. Oui, je sais. Mais c'est un cuirassé, donc il va prendre du temps avant de recharger. Allez. 11 vers moi. Ouais, c'est ce que je cherche demi-tour, mais je suis lent.
Là, le mec, il est en train de se régaler, il est en train de d'attendre la prochaine salve. Oh, je lui ai défoncé deux de ses tourelles. Mais je crois bien que je suis mort. Oh, je suis pas mort. J'ai l'incendie à bord, mais ça va encore. On a plus que 5 minutes. Elle dure longtemps, cette batterie. Je regresse. C'est bon. Oh la vache, notre porte-avions gère. Ouais, par contre, ça serait cool s'il tirait un peu plus souvent parce que je suis mort, quasiment. Fonce. Ça touche. Ça touche. Il me cible toujours, hein. T'inquiète, je vais détourner son attention. Parce que j'ai juste 2000 points de vie, donc je pense qu'il me touche, je suis mort. Il m'a touché, j'ai une batterie morte et je suis en feu. C'est la fin, les gens. Notre bateau est en train de mourir. Oh, bon bah... Adieu, monde cruel. Est-ce que je peux encore y tirer dessus une dernière fois? Ah non, trop non. Tard. Bon bah, tu me spectate, du coup. Allez, mode observateur, les gens. Observons DV qui est... Qui est là? J'ai envie que c'est toi. Non. Tu es là, voilà, je te surveille. C'est vrai que... Il est assez pété, le 5 Carolina. Là. Ouais, le 5 Carolina, il est où le 5 Carolina? Non. Non, c'est Wyoming. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Il y a pas caméra libre? Si, il y a caméra libre. Allez hop, va chier, moi je vais me promener. Où est l'ennemi? Il est là, et c'est le Kaiser. Le Kaiser, il a quoi comme armement, ce gars? Ouh loulou. Des avions torpilleurs vont faire le café normalement. Ah oui, ils arrivent là. Oh, c'est beau. Oh, les trois, tu vas caser les trois. Oh! Et je vais le finir. Allez, finis-le! Je dois rien faire. Non, je vais pas avoir le temps. Allez, il est mort! Plus qu'un tir et il est mort! Un tir! Un seul bébé! Un seul! Un seul bébé! Allez. Il a plus de vie. Je l'ai eu. GG. Oh la vache! Ce GG. Et ben voilà. Je suis deuxième. C'est pour ta vie le premier. C'est pas étonnant. Comment, où est-ce qu'on voit qu'on est deuxième? C'est score de l'équipe. Oh, j'ai une mission qui a été faite. Ah oui, score de l'équipe. Alors. Oui, enfin, je suis pas deuxième, moi, je suis un peu en bas. Mais je suis pas dernier non plus, hein. Attention, hein. J'ai quand même réussi à toucher un bateau. Hein. Enfin, couler un bateau, hein, quand même. Attention. Bon, bah du coup, je pense que ça va être fini, on va s'arrêter pour cette vidéo. Enfin, par contre, on va pas s'arrêter avec VV, je pense qu'on va peut-être faire une deuxième vidéo. Hein. Ouais. Ouais, enfin une deuxième, ouais. Voilà. On va juste finir sur ce bateau. Donc, voilà, le Saint-Louis que je viens de jouer. Il est assez pété parce qu'il y a plein de batteries sur le côté. Et le South Carolina, qui lui est un gros cuirassé, il a 4 tourelles. Mais bon, après il y a aussi le... Après, il y a aussi les destroyers qu'on pourrait jouer, qui pourraient être marrons à jouer. Mais bon, je sais pas trop gérer ce type de truc. Et le Eri, c'est un vieux bateau que j'ai pas encore vendu, voilà, qui est complètement obsolète. Voilà, quoi qu'il en soit, on se dit à la prochaine. Peut-être pour, justement, du coup, un autre épisode sur World of Warship. C'était Fulminon et VV. Au revoir. Allez, ciao.